Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire de voix aussi sublime. Super public, ils chantent tous et... Hein, tout le monde connaissait les chansons. Ça y est, on a traversé les générations. Hein, ça y est. Est-ce que vous pourriez, parce que tout à l'heure je vous ai fait un peu offense, j'ai fredonné Shabadabada, est-ce que vous pourriez le faire à ma place? Fait offense. Parce que c'est beaucoup moins bien, là. Ça me ferait, ça non, nous Véronique, ferait plaisir. Tout le monde chante un homme et une femme. Alors quand on chante un homme et une femme, il faut que tout le monde le fasse. On le fait, en... vous le on faites fait... et ils reprennent. Je vous lance alors. Comme nous... Wa-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Chante tout bas. Chante tout ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da. Nos cœurs y voient. Nos cœurs y voient. Comme une chance. Comme une chance. Comme un espoir. Comme un espoir. Ça marche alors vraiment. C'est fabuleux. Pierre Barou, Francis Lay, Anouk Aimée dans le film avec Jean-Louis Trintignant. Shabadabada, moi quand j'entends ça, moi nana, vraiment ça me pousse blues parce que c'est vrai que pour Shabadabada, pour moi c'est un super discours politique. C'est comme ça que j'ai eu envie d'entrer en politique d'ailleurs. Parce que aussi, moi j'ai tourné avec Lelouch. Hein. Oui. Ah bah oui, c'est... il m'avait repéré dans un feuilleton qui avait fait un carton à l'époque, OMVA, Terraillon Testuc, Radis Lyonnais. Bon, c'est vrai qu'avec ça on a battu les records d'Arsène Lupin, mais il y a quand même eu moins d'entrées au ciné avec moi que de sorties au Lyonnais. Enfin, je tenais quand même à te féliciter parce que tu monte sur scène et tu es au 10h jusqu'à la fin janvier. Théâtre et heures, on va oui. tous venir te voir. Très jolie plaisir. Petite salle de 150 places. Il faut téléphoner avant parce que ça se remplit vite. Mais c'est très convivial, c'est très proche, comme si j'avais les gens dans mon living. Donc j'ai appelé ça de vous à moi. Donc tu nous reçois chez toi. Voilà. C'est super, je vous propose... On viendra tous. On viendra tous, effectivement. Je vous propose, Nicole, d'accueillir maintenant une jeune chanteuse qui a repris un de vos tubes. Elle s'appelle Vera et ce tube s'intitule Téléphone-moi. Et j'ai hâte de l'entendre parce que je ne l'ai pas encore entendu. C'est la première fois qu'une des chansons que j'ai créées est reprise par la jeune génération. Je trouve ça formidable. Moi, je suis sûre que ça va vous faire plaisir.